m'appelle Patrick Maury, je suis gérant de l'atelier PC Maury depuis 1987, date à laquelle mes parents, à suite d'un incendie, ont arrêté de s'occuper de cet atelier-là. Donc on est doreur sur bois à la base, et on s'est diversifié dans la restauration de dorures sur bois et de polychromie. La dorure, à proprement dite, elle n'est pas spécifiquement française, elle est internationale. Ça commence en Égypte, mais ça traverse toute l'Europe, il y en a partout. Mais la technicité française, c'est la reparure. La reparure, c'est le travail des apprêts, de mettre les coudes de fer les uns à côté des autres pour avoir des reliefs particuliers. Parallèlement à la restauration de polychromie, on s'est sensibilisé de plus en plus aux couleurs. Et on a eu envie de reprendre ces couleurs et d'apporter les nôtres aussi aux créations et de les mettre sur un support toile. Donc on a créé un support qu'on appelle toile de lac, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est parti un petit peu de l'inspiration des lacs de Chine, des lacs japonaises, avec des couleurs dont on a une sensibilité particulière et on les transpose sur ce support-là. L'évolution du métier, il évolue, mais petit à petit. Nous, la différence qu'on a avec beaucoup de métiers, on n'a pas eu d'évolution technologique. On n'a pas de machine pour remplacer les mains. On a des choses qui sont complètement différentes du travail de nos anciens, parce que les produits ne sont pas exactement les mêmes. On a des facilités, mais on n'a pas de mécanisation. Je n'ai pas fait le compte de la formation, mais je pense que depuis 1987, on a dû former au moins une dizaine d'apprentis. Oui. Touché leur CAP, qui sont installés à leur compte, qui exercent chez des confrères. D'autres, on a réembauché par la suite. Nous, on a reçu un métier. De nos formateurs, on a reçu un métier, donc on leur retransmet un métier. C'est-à-dire qu'ils sont complètement polyvalents. Tout ce que je sais faire, ils savent le faire. On n'a pas de secret, tout notre savoir, on leur donne. L'intention, elle est que le métier perdure. Je sais que les laboratoires sont épanouis dans leur travail et je sais que plus ils vont maîtriser leur métier, plus ils vont l'aimer et plus ils vont l'aimer et plus mieux ils l'exerceront. La complexité du métier, en fait, il n'y a pas de complexité. C'est dans le savoir-faire. Quand on va connaître un métier, il n'y a plus de difficultés. Le rôle de l'apprentissage, il est là, en fait, c'est de voir tout un tas de difficultés, de maîtriser ces difficultés-là, et ensuite, après, on les maîtrise. Et tout ce qu'on maîtrise, eh ben, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable.